Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube RFCA41. Je bonne vidéo à tous. Bonjour à vous tous, Pierre Joigny pour ce match. Ça va, Pierre ? Ça va, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Cette équipe évolue à domicile aujourd'hui. Qu'attendez-vous d'elle, Pierre ? La course à l'Europe qui est lancée dans cette fin de championnat et des joueurs qui vont devoir trouver des ressources nécessaires pour y arriver. Un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre. C'est vraiment le genre de joueur qui peut faire la diff à lui tout seul. Il totalise déjà 11 buts dans ce championnat, ce qui se fait de mieux cette saison. On connaît cette équipe, on sait qu'elle aime bien asphyxier ses adversaires. Dès qu'ils vont toucher la balle, ils vont avoir plusieurs joueurs sur le dos. Ouais, comme tu dis, elle mise beaucoup sur la possession du ballon, donc sur la récupération aussi. Sans ballon, elle ne peut pas mettre son jeu en place. La composition de l'équipe visiteuse à présent. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. Spectateurs peuvent prendre place dans ce stade, Pierre. Ah, c'est déjà pas mal, les jours de beaux matchs, ça fait du bruit. Monsieur Hans de Notboom a vérifié que les joueurs étaient prêts. Il va donner le coup d'envoi. Coup d'envoi à l'instant de cette rencontre. Payet. On la touche, on l'a vu, le ballon a été dévié. Sven Kums. Les 30 derniers mètres. Ah, ce sera une touche après ce tac impeccable. Il prend la frappe. Le gardien qui repousse. Oh là, on y a cru là pour l'instant. Mais ça frôle le poteau. C'est vrai qu'on l'a vu ajuster sa tête bien comme il faut, mais c'est le premier surpris à avoir passé le ballon à côté du cadre. Peut-être une situation intéressante là. Ouais, la frappe. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. La balle très belle. Attention, il a du champ devant lui. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Ah non, 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 ça va s'arrêter là. Il y a le drapeau qui s'est levé. Alors je signale. Payet. Sven Kims. Ouais, bon tac, il a pris le ballon. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. La
frappe. Ouais, l'arrêt du gardien, prise de balle parfaite. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Adrien Trebel. Christa Kiesetelin. La passe est interceptée. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. En profondeur, oui, bien vu. Gardien qui nous régale encore avec cette parade. Le ballon qui sort donc en corner. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Un gardien blessé par la défense, mais ce n'est pas terminé. Bon jaillissement sur cette passe. Le dégagement pour éloigner le danger. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. Et parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Laisser jouer. Oui, attention. Oh, la tir raté qui passe largement au-dessus du but. Adrien Trebel. Payet. Adrien Trebel. Ah, il lui redonne. Ouais, lumineuse cette passe. Il écarte le danger des points. Le tir. Voilà, l'arbitre assistant qui a levé son drapeau. Ah, il y avait un boulevard devant lui, c'était trop beau. Ballon qui est sorti en touche. Un bon ballon d'attaque. Et ce centre qui n'est pas parti bien loin. Contré. Adrien Trebel. Allez, ils vont jouer la touche. Oh, le tacle glissé dans la surface, c'était gonflé. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Ça n'ira pas plus loin. Ah, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. On s'approche de la zone de vérité. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. L'arbitre a décompté 3 minutes de temps additionnel. Ah, ça joue vers l'avant. Le centre vers ses coéquipiers. Une tête passée appuyée pour vraiment inquiéter le gardien. Et la mi-temps qui intervient à l'instant sur ce score de 0-0. Bon, personnellement, je m'attendais à mieux de la part de ce joueur dans cette première période. D'accord, Pierre?
Moi, je trouve qu'il a été transparent. Hein. Pas de but, peu d'occasion. On attend quand même autre chose en longue période. Il va peut-être falloir qu'il se fasse un peu de violence. La seconde période qui reprend à l'instant. Ouais, il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté. Attention, il a du champ devant lui. Oh, la bonne occasion avec ce ballon. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Oh, le ballon dangereux. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. La voyant très belle. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Il cherche un coéquipier dans la surface. Ah, c'est tout dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. C'est bien centré parce qu'il y a du monde. Ils sont blessés sur cette intervention, toujours 0-0. Un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectué. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Sven Kims. Sans travers ses partenaires. Le ballon qui navigue toujours en zone dangereuse. Sven Kims. Peut-être une. Oh, c'est. Ah oui, le bon ballon là. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Facile la récupération. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Il s'avance vers la surface. Ouais, ce ballon qui est repris très haut sur le terrain. Ouais, l'attaque enrayée. Alors, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Bon jaillissement du défenseur sur cette interception. Attention, ça peut être dangereux. Le centre, il a vu, c'est que. Alors, c'est pas compliqué, hein, le foot, hein, finalement. Hein. Ah, au moins, ils ont joué vers le but, je vais pas leur enlever ça. Hein. En tout cas, ce but reflète la nette domination de cette équipe en termes de PSG. À ce point supérieur techniquement. Hein. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Un changement demandé par l'entraîneur qui essaie de verrouiller un petit peu son système histoire de préserver le résultat. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Gustave Kiesetelin. Alors carton ou pas carton? La frappe, et ça passe franchement à côté, hein. Même pas de frisson pour le gardien. C'est les joueurs qui ont pris l'avantage grâce à ce but que nous revoyons à nouveau. Superbe prise de volée depuis la surface de réparation, le gardien est battu sur sa droite. Sven Kims. Allez, attention, il se rapproche du but adverse.
le ballon est perdu. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Ah non, pas là, le ballon est perdu. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Et le score qui n'évolue plus, les deux équipes qui font vraiment jeu égal pour le moment. Ah non, le ballon est perdu. On est entré dans les 9 dernières minutes de ce match. Et bien sûr, on entend les supporters qui chantent dans cette fin de match, qui encouragent. Oui, on sent que ça peut basculer sur cette action. Le 12e homme joue son rôle à fond. On est peut-être en une situation intéressante là. Et on a dégagé pour écarter le danger. Touche. L'entraîneur qui donne ses dernières consignes, le joueur qui va rentrer. Sven Kims. Ce ballon qui est perdu. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Ouais. Oh, c'est une balle d'égalisation. Oh, il la manque. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas bien de louper des occasions comme ça, surtout à ce moment du match. Minutes de temps additionnel au minimum. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. C'est la toute dernière attaque, je pense. Il intercepte. Il avance encore. Il cherche un petit coup au premier poteau. Ah non, il ne réalisera pas le doublé sur cette action. Un gardien ne voulait pas s'incliner une seconde fois face à lui. Oui, ce sera un corner. Et voilà qui va sortir. Il peut être satisfait de ce qu'il a fait dans ce match. Performance solide de sa part. Ce corner qui était plus une passe à un partenaire. Et c'est donc le coup de sifflet final. Ah, quel match, hein. On ne s'attendait pas à avoir une aussi belle résistance de leur part. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il a plutôt été bon, hein, dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe. Ah, une superbe prestation avec notamment le but de la victoire, ce qui est quand même important. Il a fait preuve de sang-froid et son équipe peut lui dire merci.